mais trop duré. Mais je suis foutu à le prince aujourd'hui là. Ah, t'es même mon visage pour le passer. Enfin, le travail, quand il ne peut jamais, c'est pas facile. Yéli, toi, tu fais quoi comme ça? Il passe. Ça fait combien d'heures? Hier, on a fait qu'on a tout brouillé hier, on a tout fini. On a tout brouillé, les petits, ils sont trop fatigués. Tu me fais venir moi seul? Tu me fais venir moi seul? Tu me fais venir moi seul comme ça? Dans non, le prince à fort. Mais les loups étant l'air, le prince. Les loups sont l'air. Bon, mais si moi, les gens m'agressent. Le prince, c'est au village, c'est venu tout. Tu vois comment ça a bien aujourd'hui là? Tu m'as dit changer. Je t'ai dit que j'aime quand tu t'habilles comme les voyous, là, les gangsters. J'aime, ça me plaît. Ça, c'est l'habillement, ça, c'est les trucs que tu aimes. Mais tu sais qu'au village, c'est habitué à ça. Le vieux me connaît depuis le village. Hein? Faut ça pour dire que ça c'est élastique. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est qu'est-ce que j'ai pu venir ici. Faut voir et en discuter de quelque chose. J'ai une affaire à te parler, c'est important. Ok, dans le hein? Ça s'assoit. Où ça? Là? Voilà, de la place. C'est chez moi, c'est ici, le vieux m'a logé. Assieds-toi. C'est quoi ça? Moi, je commence à où? Qui te prends pour toi? Prince. Qui te prends où? Assieds-toi. Prince. Tu te crois où? Non, prends pas ta chambre. Ici, là, c'est ma terre. C'est mon royaume, bien sûr, mon royaume. Non, il a oublié, prince, il a oublié. Comme il est à la maison, il a oublié. Ah, non, tu ne payes pas, hein. Oui, tu ne loues pas. C'est le vieux qui m'a donné. Voilà, c'est mon patrimoine. Ah. Carrément, tu t'assois ici, moi, je vais m'asseoir. Pardon, là. Pardon, tu t'assois, prince. Eh, prince, oh. Faut te lever. Faut te lever. Tu ne peux pas s'asseoir à côté de nous. Prince, oh. Faut te lever. Attends, ça. Au fait, ce qu'il voulait t'expliquer, là. Oui, oui, prince. On va faire un tour dans le marché. Au marché, ici? Ouais, au marché. Le, okay. Le grand marché qui n'est pas ici là. Hein, ouais, il aime marché, ouais. Marché, voilà. C'est marché, tout ça c'est ta royauté, c'est marché du village. Voilà. Je vais voir, je cherche un truc là, je vais voir s'il y en a. Mm-hmm. Je vais prendre ça pour aller mettre dans ma chambre. Il n'y a pas de souci, le prince. Et puis j'ai voulu te confier une mission, je ne sais pas si tu es capable de ça. Ah, le prince, il y a quoi aussi cette terre, la machine ne peut pas faire. Donc toi aussi, prêt à tout faire, le prince. Ok, ça me fait plaisir. Quand tu es loyal comme ça me fait plaisir. Il y a besoin d'un gars, tu n'es pas du village. Le prince, tu vas me changer quoi? Il n'y a pas de changer. Mais lui, il va travailler pour moi parce que j'ai commencé à voir des trucs. Il y a des missions qu'il peut lui confier dans le village, comme en dehors du village, dans la ville. Là. Il peut lui confier des trucs. Jean, un moi qui. Ça, voilà. Tu es un cater. Le prince ne parle pas. Ça, là. Tu vois un peu comme on allait dans les trucs de drogue là. Oui. C'est pas tous les jours que nous on doit aller là-bas. C'est pas faux. Non, le prince ne doit pas se déplacer. Voilà. Moi, je confie moi tout. Et je gère tout ce moment. Voilà, mais je veux un gars. Il veut un gars, tu vas faire les sales boulots pour moi. Il n'y a pas de souci. Il y a les notables, tu m'énerves aussi. Il n'y a pas de souci. On peut l'envoyer. Il va les enlever, les envoyer jusqu'à l'autre côté là-bas. Tu peux trouver un gars. Il est mais fait sang. Lui, on se connaît depuis à Batanikro. À Batanikro, c'est où ça? Popo, ça, c'était un petit couloir dans le village où le vieux m'a fait enlever là. Il y a un petit couloir, on appelle ça Batanikro. Donc, c'est là-bas, on jubait, tu vois. Moi, j'ai un. Il y a les bœufs, tout ça là. Ouais, il a vu donc, la dernière fois quand j'ai voilà. Donc, lui, c'est un roi comme ça aussi. Mais lui, il est trop rapide. C'est lui, la puce. Lui, tue. Il a pistolet. Il tue. Il tue. Popo, lui là. Un gars comme ça, il a besoin. Mais est-ce que moi, il va me tuer aussi? Non, le prince. C'est que s'il venait ça là, ça te protège. Ça me protège. Ouais. Bah, s'il venait ça, le prince. Ouais, toi, tu es bien. Tu es beaucoup loyal. Ça me plaît. Quand tu es comme ça me plaît. Il faut l'appeler. Mais le boss, ce n'est pas nuité. Donne-moi ton téléphone et puis on l'appelle ensemble. J'ai pas nuité. Ok, donne. Voilà. J'ai pas nuité. C'est le. Tiens, faut composer, tu vas l'appeler. Ah, ok. Eh, le boss. J'ai pas besoin d'entendre les numéros des téléphone gens comme ça. Tactile. Ça, c'est pas le petit téléphone. C'est le téléphone même Chirac. George bouge tout sur la quand il parle puis il sort. C'est le même téléphone qu'ils ont eu tous. Ça sonne, hein, le boss, ça sonne. L'écoute. Allô? Malik! Malik Diatta! Ouais, c'est la machine. Je communique dans l'ordinateur ici. Elle a laissé le vilain ordinateur. D'où, hein? Ah, oui, Malik, mais il y a une mission pour toi. Ouais, il y a une mission pour toi. Tu sais que le vieux, le roi là, il m'a fait venir. Voilà, donc une mission pour toi. C'est son fils. Il travaille son fils. C'est moi qui fais la sécurisation de tous les biens. Tout le royaume là, c'est moi qui fais la sécurisation. Même il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. C'est moi qui fais la sécurisation de tout. Voilà. Donc tu viens me faire déloger même là. Tout le monde est petit dehors. Donc une mission pour toi, il faut que tu viennes croiser le prince. Non, il va bien payer. C'est pour lui et tout. J'ai dit c'est pour lui, tu vas bien payer. Hein? Ok. Donc on a combien de temps? 2 jours? Non, il vient que tu viennes maintenant.
J'ai dit, le prince, on a même jet privé, tout ça là, non, on l'a fait ici. A envoyé une voiture pour le chercher ou bien il peut venir rapidement. Ah, ok, ok, bon, ah, ok, 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 pas de souci. Il y a un mec, un pays son cabinet, il n'a qu'à venir, ok, ok, à tout à l'heure. Il n'a qu'à prendre les dinars. Maliko. Il faut dire qu'il n'a qu'à prendre les dinars. Les dinars, il n'a qu'à demander les dinars. Non, il dit à son frère qui a chose, moto, il va venir le descendre à chose ici. Allô? Ah, ok, ok, n'a qu'à venir. Okay, si il y a une moto, n'a pas moyen, n'a qu'à prendre 504 ou bien 10 naïves. Ok, descendre ok, ça pas de soucis, ok. Ah, une heure de temps, hein. Ok, donc tu descends à la gare, puis tu m'appelles. Hein? Maliko! Malik Toé. Ok, tout à l'heure. Le prince, c'est propre. C'est bon? C'est propre. Okay. J'ai dit, le gars là, c'est propre. Même si tu veux. Même si je veux être de l'homme, j'aurais l'air. Coup de. Non, dis pas, parce que si on parle, coup de poing, il va faire tout. Non, coup de poing, c'est toi. Toi, hein? Toi, tes coups de poing, tu roules. Il n'y a pas besoin de quelqu'un de coup ah, de poing. Ah, mais tu connais. Hey! Toi, tu es la machine. Allez. Voilà. Alors, c'est comment vous faites, non? Ouais, c'est comme ça. Hey! Et puis, on frappe comme ça. Ouais. Voilà. Hey! Ok, allons, on va dans le marché. Ah, ok, après, je suis le prince. Le prince, oh. Ouais. Ça, c'est mon prince, hein. Ah! Ah! Le prince, oh. Bon, mesdames et messieurs. L'arrivée du prince aujourd'hui dans le marché ici. Voilà, le maître suprême de Bassam est venu nous rendre visite. Voilà, il est venu nous saluer et il est passé dans le marché. C'est le prince. Ça va? Elle s'appelle comment? Habiba Touré, comment elle est mignonne. Nyou, nyou. Ça va? Il y a quoi vous serrez? Vous êtes des triplés ou quoi? Hein? Ça va, ça vous va? Mon village vous plaît? Mon village vous plaît? Allez, ça va? Ok. Vous êtes bien dans mon village? Très bien. Vous êtes bien dans mon village? Ah oui, très bien. Ça va toi? Oui, ça va très bien. Le village te plaît? Oui, très bien. Ça marche bien pour toi, tes affaires? Très bien. Ok. Comment ça va? Ça, c'est quoi ça? Radio Bluetooth 4 mémoire. Avec clé. Tiens ça. Voilà. Ça c'est quoi là? C'est portable. Portable. Change ton téléphone. C'est bon? Oui. On y va. Écouteur. Ça tu donnes ça aux enfants. Ouais, c'est bien. Toi tu es bien. Toi tu vas durer dans mon village. T'as compris? Toi tu vas durer dans mon village. Madame. Excusez, c'est le prince qui passe. Le prince passe. Pas ici. Vous vous plaisez ici. Mon village vous plaît. Hein? Attends, lui, il a. Tu as des montres en or. Ouais, il a une bonne chose, hein. Donc, on va avoir une montre en or. Mon pays ici. On va une montre en or. C'est pour nous le pays. Le prince est venu. Le prince est venu. Ça, c'est en or. Hein? C'est bien, tu veux-tu à sortir dans mon village? On va prendre deux montres en or. Ouais. Donne-moi encore. Donne-moi deux montres en or. Je t'ai dit quand je fais des achats, j'aime pas voir des gens derrière moi. Monsieur, monsieur, reculez sous tes bons. Je t'ai dit ça ou bien t'es pas dit? Le prince, poussez, monsieur, poussez. Bloquez vous, monsieur, le prince passe. Le prince est là. Hein? Allez, le prince pas. Est là. Ils ne connaissent pas ou bien ils viennent d'arriver dans mon village? Non, on n'est pas prince. Ils ne connaissent pas? Ils connaissent pas, ouais. Ils vont quitter le village. Bon, ça va toi, je vais voir mon papa. On va augmenter ton magasin. Il y a un autre là que je n'ai pas pu le croiser. Hein? On va prendre son magasin, on va couler ton magasin, on va agrandir. Et puis on va te donner tout. Et puis on va te donner tout. Voilà. Merci. Voilà. Parole du prince. Attends, il y a place. Il y a place. La machine. Ouais. Et bien le Toshiba, fils irresponsable par le feu, le champion de tous les champions. Pose la palette. Allô? Officier Bakantifor, est-ce que tu es là? Il est là? Oui, faites-le venir à mon bureau, rapidement, c'est urgent là. Ok. Et que ça saute. Dis donc, qu'est-ce qui se passe, Élément? Pourquoi cette machette? Je suis trop dangereux. Et vous me faites confiance, raison pour laquelle je tiens encore une machette. Parce que vous savez, dans
cette ville, il y a tous des paraboles. Moi, je ne vois pas seulement avec des armes. Officier, vous êtes dans un commissariat. Aussi. Vous êtes dans un commissariat. Baissez la machette, s'il vous plaît. Ok, c'est compris. Baissez-la, baissez-la. Installez-vous, installez-vous. Merci. Ok. Il y a tant d'insécurité dans cette ville, pardon. Donc, non, il faut disposer d'une arme quand même. Vous disposez d'une arme? Justement. La machette, c'est pour toi. Ok, depuis que je suis arrivé dans la ville, oui, je pense que l'ordre est déjà installé. Parce que déjà, ces petits voyous qui traînaient dans le quartier, dans la ville, je suis en train de les nettoyer. Et là, j'ai déjà 16 personnes dans la cellule, 6 filles et 10 garçons raflés. Donc, je pense que c'est le point que je suis venu là te communiquer. Et je pense que ce soir même, nous allons descendre dans la ville encore, afin de rafler tous ces voyous. Ben, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est du bon travail. Félicitations déjà. Ah, merci. Mais continuez, restez surtout vigilants. Parce que comme je le dis, les hautes autorités de ce pays ont l'œil sur nous. Justement. On tient absolument qu'on accorde la quiétude totale à nos populations. Justement. On est là pour ça. Justement. Et c'est vrai que depuis que vous êtes là, c'est quand même relativement calme. Les populations se plaignent de moins en moins. Justement. Donc, félicitations à vous. Mais surtout, travaillez de concert avec vos collègues. Je ne veux pas de disparité. Justement. Il faut que vous entendiez, vous allez sur le terrain, vous me faites un travail d'équipe. Oui, pas de problème, faites-moi confiance. Et j'allais oublier concernant le petit voyou dont la dame est venue se plaindre l'autre fois. Oui, oui, oui. Et en tout cas, nous sommes en train de faire des recherches parce qu'il y a son gang qui est là. Donc, il y a un dénommé même moustique. Ça veut dire que tu vois, c'est faux nom, c'est bandit. Ça veut dire qu'il pique. Justement. Il faut le mettre hors d'état de nuire et rapidement. Il va me croiser sur son chemin. Okay. Voilà pourquoi. Parce qu'ils m'ont dit, ces personnes-là, ce sont des grands voyous et des hommes armés. Et comme je le dis, je ne vais pas seulement sur le terrain avec mon arme. J'ai aussi la machette parce que je suis bien manié la machette. Voilà, c'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure la machette avec moi. Officier, il faut aller avec les armes conventionnelles. Oui, je dis ça. Bon, c'est vrai, on m'a parlé de vous, on m'a dit que vous êtes un homme à part. Justement. Vous êtes un officier à part. Justement. Vous avez vos méthodes. Okay. Mais faites tout pour entrer dans la droite ligne de ce que vous devez faire. Pas faites problème. Un travail propre. Mettez-moi hors d'état de nuit tous ces gangsters qui troublent l'attitude des populations. Pas problème, vous pouvez compter sur moi. En paix. C'est tu sais. Okay. Moi, je travaille jour et nuit. Et même que je suis à la maison, sur mon lit même, je travaille. Donc, je peux vous faire confiance. Pas de problème. Alors, vous pouvez disposer, mais quand vous arrivez au bureau, demandez à mon adjoint, au commissaire adjoint, de me voir rapidement. Ouais, c'est bien. Je ne manquerai pas. Merci. Allez. Ok, bon. Au revoir, officier. Au revoir. Vous pouvez partir avec votre machette. Merci. Oui. Ça fait le ridicule. Un officier de police qui se promène avec une arme et une machette. Qu'est-ce que les populations diront? Mais en fait, pourvu que le travail soit bien accompli et que les populations dorment tranquillement. Alors bonjour. Commissaire. Bienvenue. Merci commissaire. Asseyez-vous. Je vous en prie. Oh. Alors comment ça se passe, ça va? Oh, ça peut aller. Le boulot, vraiment, c'est difficile, mais comme on aime la chose, voilà. On est là-dedans. Hein. Comme on le dit, hein, c'est un sacerdoce, c'est notre croix, on va la porter. Bien sûr. Il faut qu'on permette aux populations de dormir, on n'a pas c'est le choix. Ça. Voilà. Alors, on a reçu un de nos officiers qui a été affecté, un officier qui a été affecté chez nous. Oui. Un officier par antifort. Il y a quelques jours qu'il est là, j'ai l'impression qu'il commence à donner satisfaction. Ah bon? C'est quelqu'un qui sent être efficace sur le terrain. Mais je souhaite véritablement que vous ayez l'œil sur lui. Ouvrez l'œil grandement sur lui, veillez à ce qu'il ne fasse pas de bêtises, parce que j'ai un peu l'impression qu'il est trop folklorique. Bien sûr. Quand un officier de police se déplace avec une arme conventionnelle et une machette sur le terrain, ça donne à réfléchir. Quoi? Ben voilà. Mais c'est un officier ça? Ah oui, j'avoue quand même que depuis qu'il est là, il y a moins de plaintes. Ah ouais.
Ici, là, la population, là, c'est avec les machines qu'on arrive à les maîtriser, quoi. Ben, alors... moi, je dis, il est folklorique, mais apparemment, ça marche. Ah, je dois faire pour avoir une fourchette, alors. Parce que depuis qu'il est là, quand même, le nombre de plaintes a baissé. J'ai l'impression qu'il y a un calme, même si le calme est précaire, il y a quand même un calme. Oh, ça là, ça laisse quelque chose. Il faut donner le travail aux professionnels, c'est comme ça, un hôpital avec une machette. C'est justement la raison pour laquelle j'ai demandé à vous rencontrer. Bien sûr. Voilà, je vais vous confier la gestion du bureau. Oui. Parce que là, cet après-midi, j'ai une autre réunion urgente avec le ministre de l'Intérieur. Tranquille. On va faire un point sur un sujet qui est à l'ordre du jour au niveau national. On va se rencontrer, l'ensemble de tous les commissaires au niveau national, on va se rencontrer dans le... Oui, j'étais au courant, mais voilà, c'est pour les boss d'abord, voilà. Nous les adjoints, on reste un peu en arrière, ben... Non, t'inquiète, ça vient. Commissaire, je dis simplement, allez-y à votre réunion tranquillement, finissez votre séminaire, moi je gère le commissariat comme il se doit, tranquille. Je fais confiance à toute l'équipe. Ah, oui. Et je vous fais entièrement confiance. Mais surtout à moi. S'il y a un souci. Surtout à moi. Ne vous inquiétez. Grand commissaire. Il n'y a pas de problème. Vous avez confiance. Il y a un problème. Vous avez mon numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème. Si vous appelez que je ne décroche pas, oui. Laissez-moi un texto et je prends les mesures qui s'appliquent. Et avant de partir, il y a un point sur lequel il va falloir que j'insiste avec je vous. Je gère tout, commissaire. Non, là, c'est très c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Dans la zone, on a des problèmes avec les royautés. Oui. On a des rois ici, c'est compliqué. Et il y a un des enfants du roi qui se fait appeler prince, qui est extrêmement incontrôlable. Il va falloir faire très attention parce que c'est sur les yeux qu'on marche. C'est la coutume, c'est la royauté. Il faut regarder tout ça avec les règles de la police. Donc faites très 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 attention. Commissaire, moi, commissaire Oujo, à part le président, j'ai pas peur de quelqu'un. Et puis nous ne sommes pas autant de à plat beaucoup les presse. On n'est pas dans ça. Hein. Nous sommes dans un pays de loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Faites votre travail. Commissaire, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Vous avez mon entier. Vous pouvez partir. Vous pouvez chercher les petits coups là-bas, mais il n'y a pas de problème. Je gère tout ça. Allez, on s'appelle, on se donne des nouvelles. Je vous en prie, commissaire. Comment ça? Vous partez maintenant, commissaire? Oui, je parle. Ok, je parle. Allez-y. Commissaire, allez-y. Commissaire, à la prochaine, hein? Ouais, au revoir. C'est ça, ne pas lâcher dessus ce gars-là. Commissaire, c'est nous les vrais commissaires ici, là. C'est nous comme ça, on s'entend pas comme commissaire. J'ai tout pris comme ça. Ça, c'est quoi ça? Les bouteilles bizarres. Ça me sent une blessure. Pense pas, c'est quoi ça? Ça fait un problème avec la poubelle. Attends, ce mouvement de prince vient. Est-ce qu'ils me connaissent même dans ce coin? Je vais répondre. Ça, c'est un petit problème. Attends, il y a un bébé qui voulait tout ce qui est comme poisse sous ce bureau là. Putain. Voilà. C'est quel dossier. Oh, ça c'est les petits trucs là. Ok, je jette ça, il y a pas de soucis. Bon. Et c'est le seul P, c'est lui qui jette tout ça là. Tout le meuble qui voit là, tout ça c'est pour lui. Ça lui jette tout. Il comprend pourquoi des mecs comme ça, des mecs comme ça. C'est que là-bas là, il tient les peu. D'accord, mais le vieux, allez, monsieur, le côté ici venu. Mais c'est un peu. Ah, bon, pour toi. En bon? Moi, je bats plus. Il y a un mouvement pour un cadeau pour permettre de. Ah, mais moi, mais à longtemps, il est un peu là. Il y a un chinois qui m'a pris. Hein? Ça fait 2 semaines. Chinois? Hein? Chinois? Oui. Chine, 2 semaines. Oui. En bon? 2 semaines, frère. 2 semaines. Hein? Quoi? T'as pas dit jeu. J'ai appris. En bon? Oui. Mais attends, c'est pas les Chinois qui ont frappé les gens au dîner là? Le champion. Parce que. Champion, attends. Hein? Ah, donc, moi, je vais pas te parler de ça. Ah, ok, alors, je vais pas aller dans la rue là. Mais t'as dit qu'il y a un cadeau pour moi, c'est quel moment? Hein? Ouais. Moi, donne-moi, mais tiens, cadeau pour moi, donne-moi. Tu penses pas que tu es venu? Ah, ici, mais tu es envoyé, tu es venu. Deux semaines, je viens pas t'envoyer ça. C'est une toche. Non, c'est un village là. C'est une toche dans nos gens. C'est une toche. Non, attends, il y a du bien ici. Ah, c'est bon. Non, mais allumé. Non, allumé ici, c'est toche, j'ai une toche. Frère, sinon, on va dire ça. C'est pas une toche. Attends, c'est plus ouais, toi. Ouais. Non, tiens, frère. Tiens, frère. Salut encore. Non, allez, quand tu le. Voilà. Attends. Parce qu'il m'envoie, tu ne pas. Allô.
Voilà le prince. Bon, il est arrivé, hein. Voilà, donc il lui montre la royauté. Il y a le gérer, le tout. Il y a le prendre. Hein. C'est le petit là pour venir. Ouais. Voilà, donc lui il indique où il va te croiser. Oui. Oui, c'est un ancien. Il te dit que ce gars n'est pas bon. Il te dit qu'il a pu soulever le prince. Oui, ça va le parler, ça va le prince. Voilà, ok. Donc tout à l'heure le prince. Merci. Bon, champion, allons en croiser. Ouais. On va prendre le pas ici d'après. Voilà, bien continué. Mais tiens ton mouvement, où est-ce que... Ouais. Oh, buvez les petits, buvez. C'est la première fois qu'un commissaire nous prend comme ça. Mais c'est comme ça un police, un commissaire doit gérer ses éléments. C'est comme ça, ça doit être fini là. Vous comprenez pas, c'est trop dur mon commissaire. Oh, laissez, ça c'est le commissaire là, Choco. Attends, on est à l'aise, C'est comme ça, commissaire. Vous savez, commissaire, lui, il a fallu le laisser. Cela n'est pas comme moi. Alors, oh non, c'est les petits faux bois. C'est la chose comme ça se passe. Oh, commissaire. Enlève ton âme-ci. Mais moi, là, tu vois comme le bois est produit sur moi. Excusez-moi, commissaire. Est-ce que tu sais manipuler ça? Tu as appris ça à l'école? Oui, on a appris ça nous tous. Ah non, mais pas comme moi là. Okay. Je suis commissaire. Non, commissaire, je suis content de vous voir. Je suis pas comme le gawa qui est avec vous là. On n'est pas même chose. C'est quoi ça? Je peux plus courir. Je suis un commissaire plein actuellement. Buffet, c'est rien. Oh, madame. Buffet, c'est rien. Toi tu veux dire quoi là-bas? Je suis commissaire, faut te méfier. Ça va être quoi ça? Madame, envoyez-t'en bien, mes petits là, ils vont boire un peu là. C'est comme ça se passe. Je t'ai dit. Mon commissaire, on sent qu'avec vous on va plus durer sous le soleil. Mais dès qu'il y a l'argent, viens voir. Attends, tu dis quoi? Tu ne vas plus durer sous le soleil. Si tu ne dures pas sous le soleil, comment on va avoir l'argent pour boire encore tes biens? Ça va pas chez toi? À vos ordres, mon commissaire. Ça va pas? À vos ordres. Et puis, je sais même pas si vous allez donner tout l'argent là. Je vais vous fouiller tout à l'heure. Ça veut dire quoi ça? Buvez, les petits, buvez. On va boire. Buvez, on va boire. Buvez. Le fusil pakistanien. Pakatifon. C'est qui ça? On est pauvre. Commissaire. Mais t'es comment toi? C'est quoi ça? Le commissaire. Attends, vous venez d'arriver? Ils vous ont pas parlé de toi. Tu la fermes. Ok. Tu la fermes. À vos ordres. C'est quoi ça? C'est ma machette. Oh, on m'en avait parlé, bien sûr. Ça, c'est ma machette. Je sens mieux avec ça que l'arme. Un politique qui est un village. Je me sens mieux avec la machette. Tu es un officier villageois. Bien sûr, je me sens mieux avec ça. Dépose ta machette là. On joue pas avec ça. À vos ordres, monsieur le commissaire. Mon commissaire. On nous donne ça. Hey, petit, faut pas faire ça. Écoute. Et puis, qui vous a donné l'autorisation de vous asseoir avec monsieur le commissaire? Hein? Vous devrez être au bureau! Allez-y dedans! Oh, qui commande ici? Qui commande ici? Je sais que c'est vous qui commandez! Tu vois, mais je suis l'officier! Oh! Pas tête fort! Faut te calmer! Ce que tu vois! Là-bas! Monsieur le commissaire, vous avez absolument raison! Et je suis à votre disposition! Comme d'habitude! Merci! Et puis, ça bouge sans comme son commissaire, l'autre qui est parti là! De grâce, prochainement, devant ce petit sergent, je ne veux pas que vous me parlez de la sorte. Attends, ça manque comme je vous parle. Je vous respecte, Billy, vous êtes comme parler. Je suis à votre disposition. Commissaire, policier villageois, et puis il dit commissaire encore. Policier villageois. Bakatifor. Bakan, Bampo. Va te mettre la machine là-bas. Merci à vos ordres. Allez, et puis d'abord, reviens. Desserré. Qui commande ici? C'est vous le commissaire. C'est vous le commissaire. Non. Commissaire, plein. Il nous fatigue. Il n'envoie même pas l'argent quelque part. Et lui, c'est lui qui va venir se jouer les dangereux dans cette ville-là. Ce commissaire me fout la rue. Il saura que quand le fruit tombe de l'arbre, c'est que c'est mûr. Le fruit ne tombe pas de l'arbre tant que c'est pas mûr. Mais il saura qu'il a en face de lui un officier bacantifort. Ça veut dire quelqu'un qui est dangereux, un enfant qui est dangereux. Moi, je suis venu faire mon travail dans cette commune et là, je suis là pour faire mon travail. Moi, je m'en fous de lui. Mais il va me connaître, il m'injure. J'ai mal parce qu'il m'injure devant ces petits gens qui ne font rien. Qui m'appelle là? Ouais, allô? Ouais, ça va comment? Non, il ne peut pas trop parler fort. Oui, c'est pour là même. Il y a les maudits qui sont pour ici.
Tu es là, Wawa. Ok, à fond, il vient. Comment ton nom hein? Ok, à fond. Allez, pas à pied, quoi. Ils vont raqueter les gens, ils s'assoient pour voir à pied. Ça, c'est les maudits. T'as demandé à les parents, ok, tout le monde. Commissaire Rougeau, toujours rouge. Mon commissaire. Répétez ça. Commissaire Rougeau, toujours rouge. Commissaire Rougeau, toujours rouge. Commissaire Rougeau, toujours rouge. Qui a dit le plus fort? Commissaire Rougeau, toujours rouge. Commissaire Rougeau, c'est moi. Commissaire Rougeau, toujours rouge. Commissaire Rougeau, toujours rouge. Commissaire, ouais, dis ça plusieurs fois. Attends, commissaire, c'est l'autre qui est devant. Moi, c'est moi, je suis toujours devant. C'est grâce à moi. Non, lui, on a même temps là. Mais toi, tu as, vous avez travaillé hein? Non, vous avez travaillé. L'argent. Attends, si les bagamans, les, ils ne peuvent même plus avoir pièces même dans ce pays, c'est trop bon. C'est bon. Oui, c'est trop bon. Toi, tu as même temps comme moi, comme je l'ai dit, bon, toi, tiens trois. Hein? C'est beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup, mon commissaire. Toi, tiens deux. Ouais, le faux gars, il aura un bien. Ah, il est là. Ouais. Officier, ça va. Tiens. Tu ne prends pas. J'ai pas besoin de ça. Mais tes enfants vont mourir de faim. Attends, tu es resté sur ton salaire de pauvre. Justement, officier. Pas de problème. Parce que moi, je fais normalement mon travail. Après, je suis pas là pour les scouteries. Après, tu es sapé avec tes. Tu as acheté ça vous-même. Justement, ça, j'ai acheté ça quand je suis allé aux États-Unis. Mais c'est qui ça, lui, là? C'est Balzac. Dans le magasin de Balzac. Mais pas la il a oublié. Laissez, donnez-moi son billet là. Tu es malade? Tu es malade? Comment ça se passe? Alors. Commissaire Rougeau! Toujours rouge! Commissaire Rougeau! Toujours rouge! Officiel villageois! Ça va? Monsieur le commissaire! Tes enfants vont mourir de faim! Je peux faire parce que je suis un homme de la loi! Ton petit salaire là, ça peut rien faire! Et puis, yes. Il parle. Qui commande ici? C'est vous le commissaire! C'est vrai? Officiel! C'est la parole là. Je vous parle là. Excusez-moi. Prince, tu es où? Prince. Maman. Hey, on attend, maman, tu es réveillée. Va-t'en, lève-toi. Depuis le matin, tu es sorti. Lève-toi. Tu n'appelles pas, on entend même ton poteau pour s'y fermé. Qu'est-ce que tu vas? Tu étais où? Non, maman, j'étais ici. Mon Dieu, on t'a vu, il y a des filles. Non. Celle-là, elle dit, cherche travail. Tu sais que les femmes, là, ça tue, ça perd. Là. Il sait, maman. Fais attention, c'est maintenant que tu commences ta vie. Maman. Ne mets pas les femmes devant. Maman, je ne suis pas les femmes, moi, je ne suis même pas les femmes. Moi-même, là. Pense à ton avenir d'abord, avant les femmes. Les femmes, là, ça naît tous les jours. Maman, la fille que tu as vu, elle vient chercher travail. Moi, je cherche pas. Je ne te crois pas. Je ne suis pas dans les trucs comme ça. Je ne te crois pas. Il faut attendre, il faut que tu changes. Maman, j'ai changé. Hein. Maman, il faut changer. Tu as vu? Parce que je suis vieille maintenant, je suis fatiguée. Tu dois t'occuper de moi. Oui, maman, tu vois, je m'occupe. Je m'occupe. Donc, je n'ai pas l'argent là-bas. Il ne faut pas écouter ma soeur jumelle. C'est ça que c'est ma soeur jumelle qui a été dit des conneries. Non, elle n'a rien dit. Maman, il sait. Ce sont tes amis qui ont dit que Dieu est la femme. Ils viennent faire papa toi ici, tu ne sais pas. Mes amis. Tu penses qu'ils t'aiment? Tu penses qu'ils t'aiment? C'est papa toi Yao. Fais attention à tes amis aussi. Passe à ton avenir d'abord. Au village ici, là, les gens ils sont beaucoup jaloux de moi. Ils sont beaucoup jaloux de moi. Hein. Quand moi, je serai roi là. Maman, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Les notables, même, quand ils les regardent là-même là. Et puis eux, ils parlent mal de papa aussi. Ils parlent mal de papa. Et puis tout ça, là, ma soeur même, elle consomme ça. Mais pour les faire taire, il faut que tu changes d'abord. Avant de les faire taire aussi. Okay, maman. Faut prendre la place de ton papa là. Il faut avoir un bon comportement. Est-ce que tu as compris? J'ai compris. Que Dieu te bénisse, mon fils. Merci, maman. Moi, je m'assois. Ne pas t'asseoir, moi je rentre. Okay. Non, papa, tu veux te reposer. Hein? Monsieur l'agent facile. Le prince est moral de tout bail. Monsieur l'agent liquide. Je vais te parler précisément de toi, mon frère. Écoute, tu vois, nous, naturellement, on a les gars à chaque moment, on a des bâtons dans nos bouches, on va dans les grands points. On s'amuse bien. C'est bon. Demain, quand on aura rien, c'est les gens qui vont se moquer de nous. Donc, ouais. C'est le moment de chercher un bon coin
un coin investi dedans où l'argent rentre vite vite. Ouais. Voilà, donc c'est de ça qu'il voulait peut-être parler. Après ça, il était envoyé. Bon, il voulait un coin, un faux coin. Donc c'est que ça nous rapporte. Actuellement, c'est le faux coin, c'est le faux coin ouais. qui envoie là. Voilà, un business de drogue, voilà. drogue comme ça. C'est là le gel rentre beaucoup, ça sort. Quand c'est comme ça, c'est bon. Voilà, c'est un bon truc. Moi-même, je voulais te parler de ça aussi. Voilà, voilà pourquoi il t'a envoyé ici pour qu'on puisse parler. Voilà, c'est une très bonne idée aussi. Ça, tu as raison, tu as trouvé le meilleur projet. Dans la drogue, investir dans la drogue, ça rapporte beaucoup d'argent. Et puis c'est un très bon mouvement aussi pour avoir beaucoup d'argent. Tous les grands du pays, là, c'est leur job. Ils voilà, sont là. C'est un truc comme ça. Ils prennent donc. C'est une très bonne idée, ça aussi. Donc c'est dans ça qu'on va investir. Voilà. Donc, y a pas de je suis complètement. Si c'est de l'argent, il y en a ici. On peut investir ça dedans, sans problème. Ça, c'est rien. Ça, c'est un petit brin. Il y a des sacs d'argent à la maison encore qu'on peut prendre pour investir encore plus. Qui pourra nous rapporter. Porter encore beaucoup d'argent, des millions, je dis bien des millions. Voilà, du fric. C'est ça qu'on appelle de l'argent. Ça pourra nous faire avoir encore plein de choses. Plein de choses. C'est mieux que de jeter sur les DJ n'importe comment et qui pourront pas être reconnaissants encore plus tard. Bon, là, c'est une très bonne idée. En tout cas, moi, je suis partant pour ça. Ouais, mon frère, la somme est énorme. Donc, pour investir, là, il faut quelqu'un de confiance à qui on va confier tout. Et puis... Oui, mes fils. Il peut vous accompagner chez un vipère de mon quartier, il s'appelle ZZ Barry. À lui, il a quantité de la drogue, ça peut aller. Le vieux, tu es sûr de toi? Par exemple, on veut investir beaucoup d'argent, il ne faut pas il va fuir un autre argent. Hein. Tu es sûr que c'est quelqu'un de bon? Lui. Tu es sûr? Je suis lui. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Tu nous conduis là-bas dessus. Okay. Là. On peut aller. Quand tu es là, on sort. Tu dis que tu es beau quartier. Tu dois montrer de quoi tu es capable. Pour gagner le respect des alloués. Pour gagner aussi la. Mais c'est comment Cafouille. Tu tombes sur moi comme ça ouais, là quoi. Je vais t'appeler hein? Mais il fallait m'appeler avant de venir. Hein. Ouais, c'est vrai. Quoi ça hein? Mais ça va non ouais. Ça va bien ouais, ça va bien ouais. Mais c'est qui sont ceux là ouais, ce sont les petits. C'est des petits ouais. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gérer le mouvement. Faut pas amener n'importe qui chez moi, hein, s'il te plaît. Tu comprends non? Non, ouais. Blague pas avec ils ont ça. Gel, ils ont tout gel là même. Ouais, ouais, ils ont les gel même, ils ont hein? Les partout même. Ah bon? Ouais. Ils ont le jet. J'ai tout million là. Hein? Millions même. Donc est-ce que c'est pas des petits espions ça? Ils sont cool. Ils sont cool. Ouais. Hein? Réglo. Il y a fouille. Ah ouais. Attends, donc ils ont le jet quoi? Ah bon, donc ils sont prêts? Ils sont prêts. Ah! Mais attends. Comment ils veulent vraiment qu'on avance? Ils veulent investir dans le truc. Ah là, mon entreprise va marcher, man. Hein? Donc, on va aller voir tout. Hein? Rapidement. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Ouais, ça va. Allez, dis pas ZZ. Et là. Ok. Ouais. Ça va, man? Ouais, ça va. En forme, non? Ouais, en forme. Ok. Donc, c'est vous qui ouais, voulez ouais, travailler avec moi, oui, quoi. Oui, oui. Mais est-ce qu'il m'a dit que vous êtes prêt là? Oui, on a le jet. Hein? Apparemment. Mais est-ce que c'est sûr? Oui, c'est sûr. Moi, je ne suis pas dans les micmacs. Le 10 millions, je te dis non. Tu m'as dit ça. Voilà, donc il ne faut pas m'envoyer n'importe qui. S'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais vu que c'est des vrais soldats. Essayez de parler doucement. Écoute. On va s'entendre. Nous, on a le jet. Il n'y a pas de souci. Mais tu te calmes. C'est le jet qui fait tout. Tu te calmes, c'est le jet. Mais avant tout, le respect. Il y a le jet, il y a le respect aussi. Tu vois, non? Donc, c'est pas un problème. Hein? Donc, moi, je ne prends pas petit. Moi, je prends gros.
Tu connais, non? Mon mouvement, c'est un bon mouvement. Tout Bassa me connaît. Tu comprends, non? Donc, s'ils sont prêts à investir, vous voulez investir combien? Bon, apparemment, nous, on a 47 bâtons en liquide. 47 bâtons liquide. Ouais, 47 bâtons, le vieux. Et puis, c'est trop petit. Oui, ah, on veut être les plus durs du pays. Voilà pourquoi on veut investir telle somme. Mon frère, tu m'envoies ça. Tu as bien fait. Ce matin-là, tu m'envoies bon café, cacao comme ça. Hein? Ah, oh, je sens qu'on va c'est faire bien. Des bonnes affaires. Ouais. Hein? Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Moi, mon truc, mon seul souci, c'est quoi? C'est parler, les pato là. Tu vois, non, je n'aime pas du tout ça. Nous, okay? Nous aussi, voilà pourquoi on voilà, est je suis trop méfiant. Tu comprends, non? Ouais. Ici, tout Bassam, ici, c'est moi qui gère. Tu comprends, non? Ouais. Donc, comme vous êtes prêts là, hein, on va investir. Vous comprenez, non? Ouais. Mais à mon nom. Vous comprenez? Bien sûr, vous êtes mes associés, hein, quand même. Hein. Avec 45 bâtons, c'est beaucoup quand même. Hein, hein les gars? Donc, on va faire ça, chap, chap. Demain, moi, je descends là-bas et puis je te vois et puis on essaye. Il n'y a pas de problème, le chef serait signé. Tu fais le. Mais il ne faut pas me doubler, hein. Je suis tellement mauvais. C'est moi qu'on appelle ZZ, hein, la Zaga. Donc, il faut beaucoup vous méfier. Hein. Hein? Il n'y a pas de souci. Donc, on fait ça. Mon café, mon cacao. Il n'y a pas de souci. Hein? Donc, on s'appelle plus tard. Ok? Il n'y a pas de souci. Hey! Non, ce matin-là, non, tu manges. Hey. Mon café, cacao. Hey, big up, les gars. Hein? Donc, allô, allô. Vous avez compris, non? Je suis prêt même à travailler avec vous. Hein? Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Hein? Des vrais soldats. Hein? Confiance. Ok, confiance. Big up. Hein? Yafoy. One love. Hein? Hey, mon café, cacao. Putain. Faut que moi-même, je crée mon propre ghetto. Chi! 45 bâtons. Machete, t'es mort. T'es mort dans le style.